Grégoire. La forme, la tombe. Ça va. Elle ouvre la piscine là. Eh oui, il y a la piscine. Chorizo, crumble. Magnifique. Vas-y, la surprise. Moi, je vais tomber, je vais le voir. Non, mais ça va te baigner après, Bolos. Alors, ça, c'est du quart de Paris. L'entrée, il nous a fait une petite surprise avec humour en plus, parce qu'il nous a fait croire que c'était des vieux cœurs d'artichaut avec du ketchup. J'ai cru que j'allais le tuer. Enfin, en même temps, j'étais à moitié content parce que je me suis dit ça me laisse encore des petites chances. Mais j'étais déçu. Et là, il nous emmène un truc, une ratatouille froide avec du chorizo et tout. Comme ça. C'était très bon, ça a dû lui prendre du temps et tout, donc... Nickel, Grégo. Ah oui, non, bah l'entrée, ouais, bien sûr. C'était super bon, il y avait un bon mélange de saveurs, perso. J'ai bien aimé. C'est sûr qu'il a retiré du fromage, donc son mélange de saveurs, c'est en fait, il a rien mangé. Moi? Ouais. Mais non, j'ai mangé dans celui-là. Ah, ok. Et sinon, moi, l'entrée, pour l'instant, il commençait avec un 10 sur 10. Super bon. Il commence très fort. 10 sur 10? Ouais, pour l'instant, pour l'entrée, je mettais 10 sur 10. J'adorais. Ah, il remplit mes critères. Il remplissait mes critères. 15 sur 20. Il remplissait mes critères. Quelque chose que je connaissais pas. Quelque chose de très bon. Quelque chose de frais. Une bonne entrée. C'était très bien. L'apéritif, c'était bien bon, le petit toast. Dommage qu'il n'y en ait pas eu deux des petits toasts. Le punch, très bon, Grégoire, sur le punch de ton domaine. La petite coupelle, fromage de chèvre, la petite jardinière de légumes. C'était bon. J'ai mangé une et demie, parce que j'ai adoré le chorizo avec la crème. Il est parti pour ne pas gagner. Après la petite piscine, bien joué, hein, on s'y attendait tous. Moi j'avais ce qu'à être le jeu. J'ai gagné, enfin j'ai pas perdu. Donc, bien joué Grégoire. Ça commence très fort, j'ai le seum parce que. Je savais que t'allais me battre et là tu confirmes que tu vas me battre, je vais finir deuxième. Un peu le seum. Parce que je pensais gagner, mais. Faudrait que tu mettes un petit peu plus d'ambiance quand même, ça manque un petit peu de folie. On va essayer d'en mettre. Après ton plat là. J'ai la peau du ventre tendue donc c'est bon signe, j'ai bien aimé. Même si ça fait. Faudrait que tu changes de plat principal à chaque fois de tes repas. J'ai mangé chez toi, c'était du risotto. Enfin, en vacances et tout. J'adore. Faudrait que tu t'innoves. Voilà. J'attends ton dessert. Je vais Grégoire. Bonjour, ça va tout bien. L'animation. Dans l'appareil, il a eu beaucoup de chance. Il avait une piscine pour lui, ça aide de ouf. Non, mais franchement, ça gérait ce qu'il a fait.
Bon, j'avoue, c'était le jeu des torrents, là. Tu fais tac, 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 tac. Bon, ça n'a pas hyper bien marché parce qu'il y en a que deux qui se sont fait, c'est les gens qui se poussaient, des trucs comme ça. Moi, au fond, on s'en fout, tu vois, c'était l'idée de la piscine, tout, c'était cool quand même. Le plat. Le poulet à sauce truffe, c'était hyper bon de ouf. Une sauce bien épaisse, très agréable, très bon. J'ai adoré. Les risottos, c'était très bon. Petit défaut que je peux me permettre de donner un défaut à ce qu'a fait Grigor ce soir. Sérieux? Je pense que c'est le manque de couleur à l'assiette. Voilà. Mais franchement, c'est tout. Hein, parce que là, c'est vraiment chercher un défaut dans un truc de ouf. Tu vois. C'était vraiment génial ce qu'a fait Grégoire. Il a fait un truc très très bien. Bravo Grégoire. J'attends le dessert. C'était la piscine, on était ouais, cool. C'était marrant l'animation. Mais... 10 secondes quoi. Mais laisse-moi parler là. L'animation, enfin, j'ai trouvé quand même que c'est un peu facile parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une piscine et ça surprend quand tu vas chez quelqu'un qui. Qui a une piscine, donc bon, c'est un peu facile, surtout que le jeu, t'as pas beaucoup de données de créativité. Ouais, donc l'animation, alors qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement? C'était ouais, une bonne idée s'il y avait du soleil dans son jardin. Le problème, oui. C'est. Le problème, c'est. Le problème. Bon, alors, fait. Donc l'animation, franchement, l'animation, c'était original. Piscine, c'était pas mal, c'était bien vu, sauf qu'il n'y avait pas énormément de soleil. Une fois dans la piscine, on était là, il fait froid, bon, on a joué le jeu, on a tourné, c'était marrant 2 minutes et voilà, ça s'arrêtait là. Sinon, concernant l'ambiance, c'est marrant, on a bu des petits verres, on danse, on fait les foufous, pour l'instant tout se passe bien au niveau animation. Là, on va faire un jeu de cartes, il me semble. Ouais. Sinon, ça va, sinon, ça va être. concernant le plat, ah, sinon, à toi, vas-y, non, reste, dis ce que tu veux dire. Vas-y. Grégoire, je suis d'accord, tu fais beaucoup la cuisine, mais tu n'es pas beaucoup présent. Tu me manques. Mais tu manques pas, t'inquiète. Je te trouve assez présent. Le plat, franchement, j'étais surpris que tu fasses 2 risottos différents. 2, franchement. Pas 1, mais 2. 2, c'est vraiment pas mal parce qu'il y en avait un à quoi? Je sais plus. Au poivron et l'autre aux asperges. Ok, c'était au bien aux asperges. Mais non, c'était pas. Enfin bref. Bref, franchement, c'était cool. Parce que ah, ouais. On va avoir 2 saveurs. Et la viande a été super bonne. Non, pareil. La viande était cool. Pareil pour le plat, franchement, j'ai été grave étonné. Le plat, je m'y attendais vraiment pas. Enfin, si, je m'attendais à quelque chose de bon, mais pas autant, genre j'étais surpris. Et on va dire que le plat il était grave bon, même vu que rien n'est parfait. Pour l'instant, niveau cuisine, j'en suis à la note de 9,5 sur 10 si je devais lui mettre une note. Oui, je sais, j'ai pas le droit, mais c'est peut-être qu'il va descendre encore dans 0,5, mais pour l'instant, dans ma tête, il a une note de 9,5 sur 20. Voilà. Et toi? Affaire à suivre. Et toi, combien? Je sais pas, 8. 8, ouais. On commence bien. Franchement, je l'ai fait à la va-vite. Ok, je l'ai noté. Il sache, il faut ça. Note... Non, là, je l'ai vraiment. Tu sais, tu l'as dit ça. Je suis après tout ça. Même à la va-vite, je suis pas à ça, non. Franchement, je suis pas du volontaire. Volontaire, donc je pense que putain, c'est gentil. Tu l'as fait quand là? En fait, c'est genre une feuilletante qui se fait. Genre, tu fais ta préparation et tu mets les gens au micro, tu vois. Grégoire. Ton dessert. Je suis déçu. Tu m'avais dit un truc léger, t'as fait une île flottante, bon j'avoue, comme ça on se dit une île flottante c'est léger, mais tu vois pour moi léger c'est frais. Enfin, en fait je m'attendais à un truc frais, pas un truc... J'avoue en fait t'avais raison que c'était léger, mais je m'attendais à quelque chose de frais. Donc voilà, mon avis sur le dessert c'est ça. Ensuite, donc je vais commencer par noter l'ambiance, j'avais dit bah voilà gros, y a pas à dire, hein, t'as fait la meilleure soirée du truc, mais... On va dire qu'après avoir fait la première session de truc, on sait que le vendredi soir c'est la soirée où tout le monde s'amuse le plus parce qu'en fait la fin et tout... Bon on va dire que ça veut rien dire, mais ça veut aussi tout dire. Moi, je m'en fiche, je ferai pas de différence. Pour moi, c'est comme si c'était un mardi soir. Voilà, c'était ouf. On a bien rigolé. L'activité était pas extraordinaire, la qualité cool. Mais on a rigolé, on a fait des jeux et tout. Donc, les autres, je leur ai mis des trucs. Bon, allez, je te mets ça.
En animation, activité, un petit set. Et en plat, bah, je crois que bah, y a pas chipoté, gros, tu nous as fait un apéritif bien sympa, tu nous as fait une entrée très bien, très sympa, un plat du démon, un dessert un peu fail. Pour ça que je t'avais pas 10, mais que je t'avais 9, frérot. Continue la cuisine, mon frère. Concernant la gastronomie de Grégoire Langlois. Alors, je vais procéder ainsi. Donc, je vais noter 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Donc, apéro, entrée, plat, dessert. Donc, l'apéro, je vais mettre 2. L'entrée, je vais mettre 2,5. Je me suis déjà expliqué pour précédemment pour tout ça, de toute façon. Et le plat, je vais mettre 2,5 aussi. Ça fait 5. Et ça fait 7. C'est ça. Et le dessert, je mets 0. Non, le dessert, je mets 1 pour la motivation. La motivation, on voit qu'il a quand même essayé, même si c'était. Bah, je sais pas si j'ai. Ouais, je crois que j'ai. Du coup, je mets 1 pour les serres, ça fait le total de 8 sur 10. La nourriture de Grégoire était super, sinon. L'ambiance. L'ambiance de la soirée. Super ambiance, on rigole bien. On est vendredi soir aussi, c'est facile pour lui. Donc, je mettrai pas de 1. Le truc piscine, c'était marrant, mais on va faire comme s'il avait pas existé. Truc de 2. Pas de 3. Pas de 4. Je mettrai ni la note de 10. Ni la note de 9. Je mets 5. Non, je rigole. Non, ça va jouer entre 6, 7 et 8. Et je vais mettre la note de. C'était moins drôle que chez Romeo. Donc théoriquement. Enfin, mais chez Romeo, c'était drôle aussi. Et théoriquement, je devrais mettre 6 ou 7. Là, je me compare aux autres. J'ai envie de mettre 7. Ouais. Non, franchement, il a géré quand même des goûts. Il s'est bien donné, il s'est investi. Pour le petit plus, ça se voit qu'il s'est vraiment donné à fond. Pour le petit plus, je vais faire un petit cadeau. Je lui mets la note de 7 à Grégoire. Voilà mes notes. En tout cas, ça fait 7 et combien ? 7 et 8. 7 et 8, c'est ça pour Grégoire. En tout cas, merci énormément Grégoire pour cette soirée, c'était super. Et cette semaine, c'était super. Je ne regrette rien, j'ai bien mangé tous les soirs. Et voilà. Alors, ce soir, on note Grégoire. Donc, Grégoire. Bon, d'accord, je sais que c'était études, c'était super bon. Donc, l'apéro, c'était cool. L'entrée, c'était cool. Le repas, c'était cool. Putain, non, viens, on l'a refait parce que je suis essoufflé. Okay. Bon, alors, Grégoire. Qu'as-tu pensé de ce repas, tout l'ensemble, ce que t'as géré, t'es fier de toi? Bah franchement je m'attendais à ce que je gère plus en cuisine déjà, je suis un peu déçu de ma prestation, le dessert il était pas top, bon après ça va, je suis avec l'entrée et le plat principal, j'ai su un peu remonter la tendance, mais au final je m'attendais à un petit peu mieux quoi, Recupe-toi. Genre vas-y je sais pas, ça fait 4 ans que je suis en hôtellerie-restauration. Attends, je recommence. Ça fait 4 ans que je suis en hôtellerie-restauration et vas-y quoi, j'ai acquis beaucoup de bases que j'ai pas mis en œuvre aujourd'hui, mais bon, je pense que ça peut aller. Hein. J'ai fait le strict minimum. Concernant l'ambiance, bah heureusement que j'avais la piscine. Hein. On a su faire passer le temps, baby foot, jeu de cartes, tranquille, pépère. Et non, je pense que ça a plu à la plupart des gens et vas-y, on va voir. Hein. En tout cas, je commence à être bien là. Et c'est que le début. Ciao. Oh là 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 là, putain, je suis trop nul, je suis sûr que je vais arriver dernier, fais chier. Putain, je sais pas comment je vais avoir. Je stresse. Stress monte. Putain, j'espère que je vais pas être dernier. J'espère que je vais battre lui au moins, putain, j'ai peur. J'ai chaud. Je sais pas. J'ai peur. J'ai gagné, je vais perdre. Ça perd l'hypopée, putain. J'espère que je vais avoir une bonne note, hein, moi qui viens de créer l'extension. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est qui? Oui, le premier candidat de notre soir. Plein de motifs. Alors, 537. Donc, 57 pour lui. C'est bien au deuxième. Bravo! Est-ce que Grégoire va battre Léo? Grégoire est parfait. 8 putain!
parler. Bonjour monsieur. Merci à vous. Putain, j'ai la haine. C'est le frère de Léon, il a eu un nouvel. C'est vraiment enculé. Moi je suis content, je suis pas dernier, mais on est la team des. Attends, je passe le premier soir, c'est mon premier jour de taf. Je finis à 18h. J'ai pas perdu le zéro. Vous mettez 5-37. Moi je tiens à dire que ils m'ont mis 5. Ils m'ont mis 5. 62, sachant que c'était un mercredi. Tout le monde était fatigué. J'avais même plus de gaz. J'avais plus de gaz, j'avais qu'une plaque pour cuisiner. Après, on a fait, sachant que c'était le mardi que j'ai su que je passais le mercredi pour rendre service à Grégou. Et je me finis avec un 5,62. C'est moi, bon putain, j'ai pas gagné. Le truc et les votes, il a mis 2-10 à Grégoire, c'est un peu de l'anti-jeu, mais. Merci Grégoire. Tu as relevé le niveau cette semaine parce que Arnaud était un peu en dessous de ses capacités, on va dire. Et Louis et Enzo, ils n'ont pas trop fait d'efforts, un petit peu quand même, bien sûr. Mais pas tellement. Grégoire, un peu déçu, mais bien joué. Tu as gagné cette semaine. Bravo. Moi, je suis deuxième, je suis content. Ouais, quand même. Bonne note, 6,62. Je suis content. Voilà. Donc, alors, la réaction de toute la semaine. Donc franchement, cette semaine, c'était super cool. J'ai passé des bons moments chez chacun, j'ai rien à redire. C'est un concept qui est cool, qui est... Voilà, enfin, c'est super. J'ai bien mangé, j'ai bien rigolé, j'ai bien bu, enfin, bref. J'ai bien... Non, c'est... ça m'a passé le temps. J'étais avec mes amis, je remercie beaucoup Ashley pour avoir filmé, parce que faire les montages, etc., c'est pas facile. Donc j'en garde vraiment un bon souvenir, enfin, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Parfait. Merci pour tout. Ah donc là la réaction finale, ouh je suis pas très inspiré, mais sinon réaction finale, c'était une super semaine, bah j'ai déjà dit aussi tout à l'heure quand j'ai commenté la date de Grégou, super semaine, c'est passé super vite, franchement c'est à faire, je vous le conseille. Lundi chez Louis, on s'est tapé des barres de ouf, mardi chez Roméo pareil, mercredi chez moi aussi, jeudi chez Arnaud, vendredi chez Grégoire, chaque soir, enfin c'était nickel, je sais pas quoi dire d'autre. À part que la fête continue, elle ne fait que commencer, il est quelle heure? Il est... 23h, la fête fait que commencer, plus qu'à fêter cette semaine en beauté. Voilà, en tout cas merci à tous, tous les quatre qu'on cuisinait, c'était super. Alors les gars, vous en avez pensé quoi de cette semaine? Génial. Elle est géniale. Qui méritait de gagner vraiment? Grégoire vraiment? Grégoire, il fait mille repas. C'est Louis qui m'a été gagné. Ah, franchement, c'était... Et moi mille repas. Mon pionce. Et moi. Honnêtement, la personne qui m'a été, c'était Grégoire, il a gagné. Ouais, franchement, oui. D'accord. D'autres questions? Sinon, selon vous, qui a été... Qui était le moins bon? Le moins bon. Bah, je pense que c'est lui. Moi, c'était pas mon bon, c'était Enzo. Mais t'es un connard, c'était grave, moi. Mec, tu sais, je fais quoi? Il a fait, je peux avoir du shinkan carnet, bâtard. Bah, est-ce que j'avais faim? J'ai pas dit que c'était pas mauvais, j'ai pas dit que c'était dégueulasse, j'ai dit que c'était moins. Tu viens de dire c'était dégueulasse, non, c'est lui qui. Ça va refaire ou pas? Oui. Avec la même personne? Franchement, je suis chaud pour la saison 3 et je me donnerai toujours plus à fond. Ouais, toujours. Toujours plus à fond. Parce que là, c'était. On y allait mollo, quoi. Ouais, là, on a utilisé 10% de capacité. Ouais, 100%, non? Et où Roméo? Il se pouignette. Qui est? Romé. Ah, c'est vrai que Romé n'est pas là. Ah ouais. Eh Roméo! Te quiero. Je suis toujours pas ce que je fais là. Bah, franchement, c'était une expérience inoubliable avec des photos, des vrais et tout. On a tous mis la main là-bas et tout. Non, franchement, ça fait plaisir. Une bonne semaine et franchement, bravo à tous. Félicitations. Merci à vous.